Aujourd'hui les amis, on est sur Brookhaven RP et on va organiser une surprise pour Mini Darkito. Mais juste avant ça, like et abonne-toi si tu veux apparaître sur la liste. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui j'ai vraiment une journée super chargée. J'organise une surprise incroyable. Bon allez Darkito, lève-toi, on a du boulot. Mais laisse-moi bronzer tranquille, c'est l'été, on doit juste faire ça l'été normalement. Juste bronzer, c'est la base de l'été, non? Sinon ça sert à quoi l'été si on bronze pas? Dis-moi, t'as mis de la crème solaire au moins? Parce que là, j'ai l'impression que tu vas avoir plein de coups de soleil. Ah oui, attends, je vais en mettre. Et voilà, j'en ai mis deux partout. Je suis un petit peu blanc comme ça, non? Je vois ça, oui, j'ai l'impression que t'en as vraiment trop mis. Bon, c'est pas grave, moi j'ai vraiment plein de choses à faire. Bon, déjà il faudrait que j'arrive à contacter... Mini Miss Darkito, parce que j'ai su comme quoi elle allait venir aujourd'hui, vu qu'elle a loupé l'anniversaire de Mini Darkito. Alors, je vais vérifier si elle est bien en chemin. J'ai reçu un message, elle a écrit qu'elle arrive vers 17h30. Bon bah parfait, au moins, j'ai le temps de tout organiser. Je vais allumer le feu ici. Et en fait, j'ai eu comme idée de leur organiser un petit dîner aux chandelles, en amoureux. Et moi, ben, je serai la serveuse. Ça va être vraiment super bien. Bon, je vais commencer à préparer à manger. Ça va pas être facile. Bon, on va commencer par le plat. Hop là. Je vais préparer la table aussi. Tac. Et ici, je vais mettre des trucs sur le feu. Voilà, au moins là, ça mijote bien. J'ai failli oublier, il faudrait que je rajoute des fleurs partout et plein de ballons avec des cœurs. Au moins, ça fera vraiment super romantique. On va en mettre ici, puis là. Pareil. Par ici, hop là. Bon, on va en mettre aussi vers le jacuzzi. Oh là, regardez, ça fait trop chou et hyper romantique. Bon, c'est vraiment pas mal ici. J'ai vraiment trop hâte qu'elle arrive, ça fait vraiment super longtemps que je l'ai pas vue. Bon, j'ai laissé Darkito tout ce temps en train de bronzer. Dis-moi, mais t'es sûre d'avoir mis de la bonne crème solaire? Parce que là, il y a un problème quand même. T'as plein de coups de soleil, qu'est-ce que t'as fait? Mais non, je suis juste un peu rouge. J'ai juste pris quelques petits coups de soleil, c'est rien, t'inquiète pas. Ah ouais, quand même, je suis un peu rouge. Bah attends, je fais quoi? Je vais à la douche. Attends, je vais vérifier ce que t'as mis. Attends, mais c'est de la crème hydratante, c'est pas du tout de la crème solaire. Mais je t'avais dit pourtant, c'est dans le tiroir du bas, pourquoi tu m'as écouté? Oh non, il est 5h, elle va arriver. Bon, ce qui est sûr, c'est que Darkito, il pourra pas faire le service comme ça. Hein. Attendez, j'entends une voiture, ce serait pas un camion? Mais c'est qui? Qui est là? Eh oh, je me vois pas. C'est moi! Oh, Mini Miss Darkito, tu m'as vraiment beaucoup, beaucoup manqué. J'espère que ça s'est bien passé avec ta famille. Oh oui, c'était vraiment trop bien. Mais par contre, Mini Darkito, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup manqué. Et puis, je suis vraiment triste de pas pouvoir... de pas avoir été là, en fait, pour son anniversaire. Donc, j'espère qu'il m'en voudra pas trop. Mais non, t'inquiète pas. En plus, il sait même pas que t'es là. Donc, ça va être vraiment une grosse surprise. Et puis, je vous ai préparé un endroit hyper romantique. J'ai un petit peu aménagé la maison. Allez, viens, suis-moi. Regarde les ballons. Attends, mais tu veux que je pêche au Mini Darkito? Ça va pas la tête? Mais si, t'inquiète pas. Allez, installe-toi. Voilà, t'es bien ici. Et moi, pour l'instant, je vais finir de préparer à manger. Bon, ça, je pense que c'est prêt. Oh mince, j'ai failli oublier le plus important. Mini Darkito, je te laisse un petit peu toute seule. Moi, je vais faire quelque chose d'hyper important, hein. Oh mince, j'ai oublié d'appeler Mini Darkito pour lui dire comme quoi elle est là. Enfin, comme quoi j'organise une petite soirée surprise. Je vais quand même pas lui dire à l'avance comme quoi elle est là. Mini Darkito, mais qu'est-ce que tu fais chez moi en fait? Je t'ai même pas vu rentrer. Bah quoi? Je fais le toboggan? Ouais! Wouhou! Pourquoi y a des ballons? Ils vont faire des bébés, ils vont faire des bébés. Oh là là, c'est trop marrant, c'est trop marrant. Oh là là, Miss Darkito. Miss Darkito, toi et Darkito, vous allez faire des bébés. Pourquoi tu dis ça? Eh ben, il y a plein de ballons de partout avec des cœurs et tout. Vous allez faire des bébés. Ah oui, c'est vrai, des bébés, oui, t'as bien raison, hein. Bon, allez, amuse-toi bien dans la piscine. Moi, j'ai plein de trucs à faire à l'intérieur pour faire des bébés, tu vois. Voilà, non mais on va le laisser croire ça. Pour l'instant, je vais voir comment elle va, Miss Darkito. Miss Darkito, apparemment, il est déjà ici, donc il va bientôt arriver. Il faudrait que je trouve un prétexte pour qu'il vienne ici. Je pense que je vais lui dire comme quoi il y a des pizzas, il adore ça. Bon, allez, super, je vais faire ça. Miss Darkito, j'ai fait des pizzas, j'ai fait des pizzas maison, tu veux bien les goûter? Des pizzas? Oh, des pizzas, j'arrive.
Pizza, 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 pizza. Oh, trop bien, trop bien. Sont les pizzas, sont les pizzas, sont les pizzas. En fait, j'ai mis les pizzas à table déjà, donc va t'asseoir. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, pizza. Mais, on se connaît, non? On s'est déjà vu plusieurs fois. C'est comme ça que tu me dis bonjour, en fait. Mais moi, je suis là parce que j'ai pas été là à ton anniversaire et du coup, ben, j'ai voulu te faire une surprise, donc j'espère que t'es content de me voir. Tu m'as déjà oublié? Bah non, t'es mini-miss d'Arkito. C'est ça? On s'aimait, tu m'as abandonné. Moi, ça m'a... Tu m'as abandonné alors qu'on s'aimait. Et ouais, on s'aimait beaucoup. Mais j'ai dû voir ma famille, je te rappelle que j'avais perdu la mémoire et que je l'ai retrouvée. Enfin, je vais beaucoup mieux maintenant. Hein. Bon bah ça va alors. Et tu fais quoi maintenant? Eh bien maintenant, j'ai mon propre magasin de vêtements et j'adore ça en fait. Je suis vendeuse et c'est trop bien. Et puis j'habite juste à côté de ma famille. Et sinon, attends, j'ai failli oublier, j'ai pris un cadeau quand même pour toi. Mais c'est quoi ce papier? C'est quoi ça? En fait, j'ai décidé de rester un petit moment. Et du coup, j'ai réservé une nuit... à l'hôtel pour tous les deux, tu vois. Si tu veux, bien sûr. Oh, mais c'est trop sympa, c'est trop sympa. Ce sera quand l'hôtel? Ce sera quand l'hôtel? De toute façon, tu restes dormir ici cette nuit avec moi. Ben, en fait, le truc, c'est que ce soir, je peux pas, tu vois. Je dois être absolument avec ma famille demain. Mais t'inquiète pas, hein, le week-end prochain, on va se faire l'hôtel. Et puis, en plus, tu vas voir, il va être vraiment trop, trop bien. J'ai trop hâte d'être avec toi, tu sais. Tu m'as beaucoup manqué. Oh, toi aussi, tu m'as manqué. Miss d'Arkito, un mini Miss d'Arkito. J'ai trop du mal. Attention, c'est chaud, c'est chaud. Bon allez, voilà. Et tenez, j'espère que vous allez adorer parce que j'ai pris vraiment tout l'après-midi à préparer ça. Hein. Bon appétit les amoureux. Non en fait, bon appétit. Bon, allez, je vais les laisser tranquilles. Moi, je vais aller retrouver d'Arkito. J'espère qu'il est pas encore dans la baignoire quand même. Mon amoureux? Mais t'es toujours encore beaucoup rouge là. Bon, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais venir avec toi. On va prendre un petit bain. Tous les deux. Elle cuisine vraiment trop bien, Miss d'Arkito. Regarde, franchement, j'adore ce qu'on mange. Bon appétit. Peut-être que tu seras mon amoureuse, non? On verra. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'aime pas trop les relations à distance. Mais si tu veux, on peut essayer tous les deux parce que peut-être que ça en vaut la peine. Alors, à certaines conditions, qu'on se voyait au moins une fois par semaine, d'accord? J'ai vraiment rien compris, mais tu sais quoi? Je suis d'accord. Je t'aime, mini Miss d'Arkito. Je t'aime. Oh, mais arrête, ça me gêne, tu sais. Moi aussi, je t'aime, en fait. Viens, on va dans le jacuzzi. Voilà, c'est trop bien, viens, ça va être trop bien. Oh, on est vraiment bien, là, tous les deux. J'adore, franchement. En plus, t'es trop belle, tu sais. Oh, merci. En plus, il fait super chaud ici, je suis trop, trop bien. On pourrait se faire un bisou, non? Hein? Quoi? Déjà? Je sais pas, je suis pas vraiment prête, tu sais. Je préfère qu'on attende un petit peu. En fait, je t'ai jamais dit, mais tu vois, avant toi, j'ai jamais eu de garçon, donc je sais pas. Mais moi non plus, j'ai jamais fait de bisous à une fille, tu sais. J'ai jamais eu de fille aussi. Waouh! Non, mais c'est un truc de dingue quand même, regarde. On est tous les deux pareils. Moi, j'adore. Au moins, on va tout découvrir ensemble. Bon, on fait quoi? Bon, moi, j'ai trop envie de danser. Tu danses avec moi? Wouh! Ah ouais, carrément, on pourrait danser dans le jacuzzi. Ah ouais, tchac, tchac, la macarena, tchac, tchac, la macarena, hop, 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 hop. C'est pas comme ça qu'on danse. Et macarena, et ah, 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 macarena, ah, 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 ah. Mais c'est pas comme ça, tu danses trop mal, regarde, tu fais. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et macarena, ah, ah. Hey! Mais qu'est-ce que vous faites? Faut de la macarena? Je peux la faire moi aussi? Oh ouais! Oh, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas fait! Youhou! Hey, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison de fous? Pourquoi vous dansez tous comme ça? Mais c'est rien! Regarde, on fait la macarena! Allez, wouh! Viens avec nous! Oh, tu danses vraiment trop mal! Hey, mais pourquoi il y a une tomate dans le jacuzzi? Il y a une tomate dans le jacuzzi! Ah là, c'est trop marrant! Hey, mais tais-toi le sandwich! Mais moi, je suis un sandwich et je suis pas tout rouge comme une tomate! Ouais, et en plus, c'est le plus beau des sandwichs! Les amis, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo! N'hésitez pas à liker et à vous abonner! Et à regarder d'autres vidéos! Et d'ailleurs, on fait quoi pour ces coups de soleil?